Lucien, ça te fait rire? Je trouve ça drôle. Excuse-moi, je sais. Ben arrête alors, arrête! Autobiographie, catharsis, récit d'un journal intime, vous êtes dans Jeunesse de la réalisatrice Justine Malle. Ce nom vous dit sûrement quelque chose, forcément, avec un père célèbre comme le cinéaste français Louis Malle. Pour son premier long métrage, elle s'attaque à un épisode très personnel et éprouvant de son existence, la mort de son père alors qu'elle n'avait que 20 ans. Elle m'a transmis énormément de choses et donc je pense que ça s'équilibre plus ou moins. Le cinéma, c'est quelque chose qui me faisait, enfin, à la fois qui me faisait très envie, mais qui était un peu tabou pour moi. Et d'une certaine façon, je considérais que c'était pas vraiment pas assez sérieux, quoi. 10 ans d'études en philosophie stoppées brutalement pour se consacrer à 100% au cinéma. Justine Malle a aujourd'hui choisi sa voie, une voie qu'elle aborde de manière très subjective. J'ai essayé, je sais pas, de rester fidèle à ce que je ressentais parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, donc je n'ai pas forcément une grande maîtrise technique. Moi, je crois beaucoup à l'inconscient. Même dans les relations avec les techniciens, avec les acteurs, je pense que si on croit vraiment à son histoire, il y a quelque chose qui passe, quoi.